Hey, je suis de retour pour plus de Monster Hunter Portable 3rd. Aujourd'hui, on est rendu avec une Kite Kling encore une fois et j'ai choisi le Tigarex. Tigarex avec un A, évidemment. Voyons, toujours eu un A dans Tigarex. Tigarex, Tigarex. Ok. Maintenant, j'ai la lance de Diablo. Et pourquoi j'ai la lance de Diablo? Parce que j'ai la lance de Diablo, bon, c'est pour ça. Mais je pense que je l'ai jamais utilisée. Et la lance, c'est mon arme que j'ai la moins utilisée, je crois bien. Je pense que je tire avec toutes les armes, mais c'est pas grave. C'est l'arme que j'ai le moins utilisée dans Pethard, fait que je suis aucunement habitué. En plus, ouais, je suis aucunement habitué de contrer de la façon qu'il faut que je compte. Je sais même pas comment le faire, je crois. Enfin bref, on va voir ça, comment que ça va se passer, ça va être bizarre. Je sais que dans Pethard, on peut pas contrer... au troisième coup, parce que c'est ça qui rendait cheap vraiment la lance. On peut contrer ici et c'est comme ça qu'on contre. C'est bien, fait que maintenant que je fais ça de même, eh bien je peux pas contrer ici. 1, 2, 3, je ne peux pas contrer. D'entrée, on peut contrer. Fait que c'est bien à savoir, c'est bien que je le sache parce que j'aurais probablement chialé sinon. Donc c'est ça qui est ça. Et pourquoi j'ai pris le chocolat chaud ici? J'en ai aucune idée, il a voulu que je le prenne avant, mais on s'en fout un petit peu. Vraiment beaucoup, un petit peu. Ça fait pas de sens. Bref! Mais aussi, nouvelle à vous annoncer. On n'entendra plus Sky dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que ma sœur déménage. Et c'est son chien en passant, Sky. Donc, elle ne sera plus ici, à moins qu'il faille que... Faut que je garde Sky encore une fois à un moment donné. J'en ai aucune idée, mais coudonc! Ça ne devrait pas se passer, en tout cas pas récemment, on vous l'entend moins souvent de toute façon. Fait que thank you, ça fait longtemps que j'ai pas contré quelque chose, maudit salaud, essaie de me faire ça. Et aussi, c'est exactement pour ça qu'il n'y a pas de direct ce samedi. Et je sais pas pourquoi je me passe en juin tout ce mois-ci, mais on est en juillet. Oui, on est en juillet, qu'est-ce que je fais en ce moment, je fais rien. Cette vidéo va être longue, peut-être que je vais couper des parties stupides, en tout cas j'en ai aucune idée, je fais cette vidéo-là d'avance, on verra. Et j'ai contré, parce que je suis stupide. Pourquoi contré est stupide? Mais non plus, il n'y aura pas de dimanche bonus non plus, fait que pas de direct, pas de dimanche bonus. Vous ne me verrez pas en fin de semaine, parce que je déménage, ma soeur, on fait des choses avec sa maison, etc, etc. Et c'est ça qui est ça, en effet, et là je peux pas contrer, qu'on va aller là. Mon cher petit Tigrex, qu'est-ce qui est le fun avec la lance, c'est qu'on est souvent, toujours au corps à corps, bien souvent, toujours. Je sais que ça fait pas de sens, mais coulant. Oh, j'ai pris sa queue! J'aime ça! Ok, c'est un petit peu bizarre. Et j'ai 195 d'attaque, mais 5% d'affinité négative. C'est ça que je voulais dire sur la lance de Monoblast, de Diablo plutôt. Je l'utilise pas généralement... Comment ça m'a pas poigné? C'est quoi cette affaire-là? Je l'utilise généralement pas... Parce qu'il y a de l'affinité négative. Et qu'est-ce que ça fait l'affinité négative? Eh bien, ça diminue de moitié le coût qu'on donne. C'est 5% du temps sur la lance que j'ai en ce moment. Et je me suis fait massacrer parce que je peux pas contrer plusieurs coups. Il faut que je bloque. Avec la gun lance, on peut bloquer rapidement. Pas avec la lance, par exemple. Ah, c'est vrai, j'ai plus d'évasion. Fait que je peux facilement leur joindre en sautant, en faisant des petits hops comme ça. Ça l'aide vraiment beaucoup avec la lance, avoir évasion hop, pour se rapprocher des monstres, comme vous avez vu, comme je vous ai montré. Oh, merci, my god, je pouvais pas contrer au troisième coup. Va falloir que je m'habitue. Je sais pas pourquoi je compte là, mais écoutons, peut-être que je vais me rendre. Non, non, je me suis pas rendu pantoufle. Ça va être long, ça va être long comme bataille avec Tigarex, Tigarex. Est-ce comment qu'on fait pour charger? Ah, oh non, c'est... Oh, on a cette attaque-là, c'est bien, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on charge. Ah, fuck you, Tigrex. I just want to hurt your feelings. Est-ce que tu n'as pas? Ah ouais, tu peux bien courir un petit peu partout, fais ça, plante-toi. Au moins, dans Pethard, il y a plus de... Il y a de la stamina qui perd à un moment donné. Fait que je vais me bloquer de même, parce que ça a bien l'air que ça a servi absolument à rien. Mais j'ai pogné sa queue, fait que ça sert toujours à quelque chose quand on pogne une queue. J'ai pas chargé ce coup-là, j'ai fait l'intelligent. Yeah! Damn, je me suis fait écraser! Et Luigi a réussi à éviter cette attaque-là sans l'éviter, parce qu'il est pro de même. Il a même pas besoin de penser à éviter qu'il évite une attaque. Bon. Et je vais bloquer juste pour être safe. Et j'ai-tu bien fait un peu? Ça nous rend plus safe à... Fait qu'on peut pas bloquer avec le troisième coup. Et là, j'ai fait le stupide. J'ai attaqué à la place de contrer ou faire quelque chose de même. Il va crier. Mais moi, je vais couper sa queue parce que je ne peux pas. Bon, moi, j'ai beaucoup d'attaques. Puis à date, je suis chanceux avec la... Ben, c'est vrai que c'est juste 5%. Fait que c'est pas si grave que ça, l'affinité que j'ai en ce moment. Mais quand c'est dans les 25%, ça commence à être grave beaucoup. Mais l'affinité positive aussi, c'est bien quand on a... En positif.
C'est un coup critique, ce qui est toujours bien des coups critiques, et mon analogue, mon... Ok, je touchais même plus à mon analogue, mon personnage bougeait tout seul. Oh god, I hate you. Et non, je ne parle pas de la DS, non, je t'aime DS, ne me tue pas dans le jeu, please. I like you, I love you. Ok, Tigrex, peux-tu arrêter de charger comme un psychopathe? Non, ok, c'est compris. Peux-tu arrêter de charger comme un taureau de bord? Peut-être que tu comprends ce langage-là. Ah! Il l'a compris! J'étais sûr que j'avais contré. Et pour contrer, il faut toujours appuyer sur le R, je crois. Je crois bien. Et ça, j'ai bien... J'aurais dû contrer, en fait. Mais on s'en fout un peu. On s'en fout pas mal. Ah! J'avais oublié que j'avais évasion plus. Fait que je peux facilement me rendre. Je fais le stupide. Je fais toujours le stupide. Je sais pas si... Ah non, j'ai déjà dit ça. On va arrêter de se répéter. Mais coulons. Regarde, celle-là où il s'en va. Pourquoi je m'en allais pas vers là? Je devrais aiguiser mon arme, tiens, ou à la place de faire rien pantouf. Est-ce qu'on devrait utiliser notre piège? Ah, quand il va être en mode Hungry Mode. Hungry Mode! On va le faire. C'est ça qu'on va faire. Fait que peut-être qu'il y a des parties de couper dans cette vidéo-là. J'ai aucune idée, c'était pas comment ça va durer. Ok, il fallait que je la répète. Il fallait absolument que je répète. Pourquoi t'as recul, mon cher? Parce qu'il y a un popo qui va te tuer. Go, popo! Tue-le, popo! Ah non, il s'est fait manger le popo. Pauvre petit popo, j'étais sûr. On a vu que j'ai fait un coup... Comment qu'on appelle un faux coup critique? le contraire d'un coup critique, il n'y en a pas. En tout cas, j'ai fait un contraire de coup critique. Tiens, encore là, je l'ai fait. Deux coups, comment je peux être aussi malchanceux? Avec 5%, non, 5% c'est quand même beaucoup. Même si ça paraît pas. Quand on fait des millions de coups, c'est beaucoup 5%. Je sais pas pourquoi ça le fait. Ça fait l'anime... Quand on se bloque, ça fait un genre de patente, mais j'ai pas utilisé la lance, peut-être que c'est pas à cause de l'affinité négative que ça fait ça. C'est genre mauve noir quand on fait une affinité négative. J'arrête pas de dire ça de même. Ce qui est bien. Ah! J'allais te donner un autre coup. C'est... Il est plate avec ses pattes. J'haïs tes pattes, mon cher. J'ai même pas été capable de donner trois coups encore. Troisième coup est toujours le plus fort. Il me semble. Troisième coup est toujours le plus fort de toutes les attaques de la lance. Ben, pas toutes les attaques de la lance, quand on charge et on fait un gros coup. C'est ça l'attaque la plus puissante. Pas quand on charge, mais quand on fait le gros coup de la charge. En tout cas, enfin, bref. Personne comprend, hein? Non, c'est pas bien. Et j'ai mal contre! Ça me manquait de pouvoir me contrer. C'est pas cette affaire-là. Il aurait fallu que je compte justement ici, à place de faire le con. Ah! Il y a plein de cons partout dans mes mots. Pourquoi j'ai pas reculé? À place de me bloquer, ça m'a enlevé du rouge dans ma vie. Je devrais prendre Duration. Et arrêter de parler comme ça. Aussi. Ah, bonjour Luigi. Que fais-tu de bon dans ta vie? J'ai entendu dire que tu prenais Duration. Non, c'est moi ça. Fucking... de me voler mes choses, j'allais le dire en anglais. Pourquoi parler en anglais quand on peut parler en français? Aucune idée. Ah non, ne crie pas, mon cher. La vie est trop belle pour crier sans arrêt. Aïe, dans mes oreilles. Je voulais juste me rapprocher de lui parce que quand les monstres qui crient à partir des monstres de tri, ça fait pas une grande différence. Parce que dans Freedom Knight, quand les monstres crient, ça fait une plus grosse différence. Disons qu'ils te laissent vulnérable très longtemps. Mais dans Pethard et dans Tri, c'est vulnérable, mais pas longtemps. C'est plus grave quand on se bat contre plusieurs monstres. Fait que le earplug n'est pas si important que ça, contrairement à Freedom Unite. Mais c'est quand même le fun de les avoir, parce que ça donne des coups gratuits quand il crie. Et j'essaye de me pogner sa jambe, mais je l'ai pogné. Oh non, va-t'en de là, mon cher. Oh, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'oublie. Parce que dans Freedom Unite, je pense qu'on... Puis dans les autres Monster Hunter, c'est moins rapide. J'ai l'impression que dans Tri, c'est moins rapide aussi. C'est peut-être juste moi, c'est moi qui est fucké. Écoutez pas ce que je dis, c'est moi qui est bizarre. Micro, arrête de regarder vers l'autre sens, maudit, arrête de me renier. J'ai absolument rien fait. Et pourquoi t'arrêtes pas de changer de zone, mon cher Tigarex? Tigarex, oh, ça fait même pas 10 minutes encore. Je suis surpris, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça, que je suis dans la quête. C'est rare que j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, normalement j'ai l'impression que ça fait moins longtemps. Comme j'ai l'impression qu'on est dans le mois de juin encore une fois, et il faut que je prenne un fucking chocolat chaud pendant qu'il mange un popo. Non, je ne prends pas le chocolat chaud, je prends mes coups gratuits et sur sa queue à part de ça, parce que je suis un gros salaud. Comme salaud, ça a pas de bon sens. Et en plus, je l'ai empêché de manger pour pouvoir utiliser notre piège. Oh, tout va bien. Et là, je vais me faire tuer, par exemple, parce que j'ai dit ça. Mais c'était pas vraiment tué. On prend le chocolat chaud, ça te dérange pas, mon cher Tigrex. Et... Je vais espérer que tu ne garages pas des roches. Oh my Jesus, que ça a passé proche. Oh, j'ai peur. J'ai eu très peur. Mais coudonc. Petit Tigrex, voudrais-tu, s'il te plaît, crier sans arrêt? Oh, c'est comment qu'on fait notre charge au juste? C'est-tu comme ça? Non, non, non! Pas cette charge-là que je parlais. Oh god, I'm stupid. Et ok, ça c'était nul, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, mange-moi, mon cher. Ah non! Oh my god, ça va pas frapper fort, ce coup-là, certainement pas. Ah, puis ça nous massacre. Ok, mon cher, faut que je guise mon arme, parce que... Analogue de Schnappity Schnapps, I hate you, I hate you! Ok, on a le temps de l'aiguiser ici, par exemple. Regardez le pauvre popo qui est mort, là. Sa langue est sortie. Il fait... Il nous fait une grimace! C'est un salaud! Arrête de nous faire une grimace! Et fuck you, j'ai ça quand tu fais ça, mon cher. No! My elf! Ma vie! Qu'est-ce que tu fais à ma vie, mon cher? Tu me laisses pas une chance de me guérir? Tu veux me tuer? Luigi est retourné dans le sous-sol de la glace. Ça doit être froid, non? Ça doit être chaud plutôt, parce qu'il fait froid sur le dessus. Par en dessous, ça doit être chaud. Qu'est-ce que je dis là? J'en ai aucune idée. Et j'étais sûr que ça allait me pogner avec son champ de force démoniaque. Mais non, ça m'a pas pogné. Là, ça m'a pogné, par exemple. Et merci, c'est ça que je voulais faire. J'essaie de viser sa face depuis tantôt, puis je suis pas capable, parce que... Faut croire que je suis plus habitué avec ma superbe lance. Tu me manquais, lance. Mais c'est seulement pour deux vidéos, en comptant celle-ci, qu'on va se voir. Malheureusement. Malheureusement. Va pleurer! Ah, il me laisse des roches! Ok. Ah, on m'a donné un coup de... I hate you! Avec tes coups de queue démoniaques. Qui aime ça, avoir des coups de queue dans la face? À part Tigrex. Tigrex, ok, ok. Non, j'ai pas posé cette question-là pour de vrai. Ok! Ne répondez pas. Ah, ben oui, c'est ça. Donne-moi ça, encore une fois. T'es pas supposé être en mode Hungry Mode? Et non, Angry Mode. Oh, God, you son of a thing! Ok. Ok, il nous laisse des coups, le temps d'aller se guérir quelque part. Non, fais pas ça, mange pas le vide, mon cher, faut que tu fasses une charge vers là. Merci, thank you, I like you. Maintenant, faut que tu refasses une autre charge vers là. Puis après ça, je vais... Bon, c'était une mini-charge, si on veut. Mais il faut que je m'en aille... Oh, God, que c'était chanceux, ça! Tiens, mon cher, parce que ça me tente pas de penser. C'est tout simplement pour ça que j'utilise une paintball. Parce que ça me tente pas de penser. C'est compliqué, penser. Très compliqué, c'est bien mieux faire le stupide sans arrêt. C'est la meilleure chose au monde, n'est-ce pas? Oh, God. Surtout qu'il faut que je pense au travail. Fait que c'est déjà trop. Déjà trop. Mais que là, oh non! Puis j'essaye de... Je suis trop greedy. Et comment ça m'a pas... Ok, ok. Je suis greedy, mais chanceux. Fait que c'est une bonne combinaison. Et ça, tu peux même charger dessus, mon cher. Et courir en partant. Et aussi, j'avais le choix de faire la lance de Jinuga. Sauf que je me suis dit, si je la fais, il va y avoir encore quelqu'un qui va me dire... Pourquoi tu fais juste des armes de Jinuga? Fait que je me suis dit, on va prendre la lance de superbe... Yeah! Oh, superbe... Diablo. Oh, il a faim! Il a faim! He's hungry! Ok, est-ce que j'ai le temps de le mettre? Vous pensez? Est-ce qu'il va sacrer son camp avant? Est-ce qu'il va me charger dessus avant? Non, il ne me charge pas dessus avant. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai comme oublié qu'est-ce que je voulais faire. Pas recevoir des rushs d'en face. Je sais qu'il y a quelque chose que je voulais faire. Ah, oh, you son of a... Je le savais qu'elle allait sacrer son camp, mais j'ai pris une chance. Ah, c'est ce que ça fait. Peut-être qu'il va revenir tantôt, puis on va pouvoir le massacrer. Ou peut-être qu'il fait juste rester dans les airs pour faire le stupor. Va-t'en pas, Kat, j'ai eu 4. Il y a quelque chose... Il peut manger à 4. J'en ai aucune idée. On va recharger notre lance. Parce qu'on recharge une lance, ça a bien l'air en aiguisant. J'en ai aucune idée, qu'est-ce que je dis là. Mais écoutez... Aussi, en ce qui concerne l'armure, ça vaut pas la peine de changer d'armure, parce que les armures de low rank sont, si on veut, inutiles, aussitôt qu'on arrive en high rank. C'est pour ça que je me complique pas la vie de me faire d'autres armes, et surtout parce d'autres armures, plutôt. Et fuck you, Bullfango, je te hais. Et surtout parce que, aussi, je vous le dis que je joue seulement à Pithered avant une vidéo, généralement. Surtout que là, je te réveille avec ce qui est un petit peu plus complexe de bloquer une attaque. Mais de pouvoir jouer entre-temps. Mais écoutons. Mais c'est ça, t'es en mode Raging Mode. Tu pourrais-tu tuer le petit Bullfango qui fait chier ici? Ça me faisait énormément plaisir. Je te donne un coup dans la face, puis je te contre, ok? Merci, mon cher, d'être très coopératif. Et d'être très prévisible aussi. T'es encore plus prévisible dans Freedom Knight. Mais c'est pas grave. Dans Freedom Knight, c'est parce que tu t'essayes de prendre tous tes coups que tu peux, parce qu'ils sautent justement partout de même. Il est tombé à terre! Je vais me faire massacrer par Bullfango, mais je m'en fous! Je prends mes coups gratuits pendant qu'il tombe à terre! Yeah! Oh, fuck you, Bullfango, I hate you! Et pas dans le sens que je t'ai mangé, je sais, je l'ai déjà dit celle-là, mais c'est pas grave. J'aime ça me répéter. I like that! Et comment j'ai fait pour te manquer, mon cher, là-dessus? Ta tête est pas assez... Ah, God, ça a passé proche, il m'a passé... J'ai senti son dessus de bras bien comme faux. Il puait en passant, tu devrais utiliser du déodorant, mon cher!
Et non, du déodorant, de déodorant plutôt, de Bulfango, parce que eux autres, c'est des crosseurs, ils te font payer plus cher. Allez dedans! Payer plus cher, puis ça dure juste 3 secondes. 3 secondes, t'as rendu compte de tout ça? C'est pas beaucoup, 3 secondes! 3 fucking secondes, mon cher! Ok. Tiens, d'autres coups gratuits. Oh, ça revient ici, puis ça me permet de te frapper dans les dans l'entrejambe. Et pourquoi j'ai contré ou juste... À... Maudit Bulfango, même. Les Bulfango sont vraiment salauds. Ils devraient tous mourir. On devrait faire un génocide de Bulfango. Parce qu'ils sont trop salauds. C'est ça que ça fait, être salaud. Tout le monde veut faire un génocide de salauds. Salaud. Oh, 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 c'est le temps. C'est le temps pendant que tu fais rien, mon cher. Et je frappe sa tête parce que c'est son point faible. Salaud! Non, 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 c'est lui qui m'a mangé, ok. J'ai eu peur que c'était salaud qui m'a empêché de faire des coups gratuits. Mais salaud ne faisait jamais ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas, salaud? Parce que si tu le fais, tu vas plus avoir de bouffe le soir, mon cher. Et tu vas souffrir. Oh my god, ça a été chanceux. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté, le Bulfango. Mais il s'est arrêté. Fait que j'apprécie ton stoppage de marche. Ah, you son of a bitch. J'aurais dû reculer aussi, là. Mais non. Mais non, ça me tentait pas de reculer. Un petit Tigarex. Pourrais-tu être à veille de mourir? Je sais, j'en demande beaucoup. Ah, j'ai voulu prendre mon troisième coup, mais je l'ai même pas eu, puis je me suis fait massacrer à part de ça. C'est-tu plaisant quand on prend un risque absolument pour rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon salaud de Tigarex? Aussi, vu qu'on peut pas le faire au troisième coup, c'est un petit peu chiant de continuer un combo après... Ok, ça m'a pas pogné. Après, justement, d'avoir contré, parce que faut que tu comptes suite après un coup. Même pas, en tout cas, j'essaie d'expliquer quelque chose, puis je suis pas capable de le faire. Ok! Il faudrait que je le montre, mais là, il y a un Tigrex en mode... en Raging Mode! Fait que c'est pas très bien de le faire quand il est en son Raging Mode. Raging Mode! Va-t'en à deux, mon chat, il y a un piège qui t'attend avec impatience. Il veut faire connaissance avec toi. Vite, vite, je m'en fous s'il me frappe! You son of... I hate you! Je m'en foutais s'il me frappait, mais pourvu que j'avais Xé, mon... Nord, mais non, il m'a pogné juste avant que ça fasse cling! Son of a bitch. J'aime entendre les cling, ok? Tigrex, tu peux bien sauter dans les airs, Moutou, je suis capable de faire ça. Oh, 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 ok, on essaye. Je vous garantis 300... Ok, il me bonque pas. Pas de suite, en tout cas. Oh, God, je voulais bloquer, mais mon personnage est parti à courir à place de... Parce qu'il faut peser sur le R, parce que c'est plaisant. Fait qu'il s'est mis à courir, mais le triangle rond n'ont pas catché que j'avais pesé dessus eux autres. Mais écoute, faut croire que ça m'a peut-être sauvé la vie. Ok, je m'en fous. On a eu des coups, on va prendre un chocolat chaud maintenant, parce que c'est la meilleure chose au monde, c'est toujours plaisant. Ça goûte bon, ça réchauffe, malgré qu'il fait chaud, on n'a pas besoin d'être réchauffé. My God! Non, j'ai parlé de chaleur, ça va me faire penser, puis ça va me faire suer à cause de ça. Penser à la chaleur, ça me fait suer. Juste y penser. C'est déjà trop. Mon cher Tigrex. Et évidemment, comme d'habitude, je vous préviens d'avance qu'on va couper la minute quand il va être bientôt mort. Et soit il a passé complètement au travers mes attaques. Je pense que... Ah, il est trop tard. J'ai hésité entre... reculer ou rester bloqué. Mais hésiter, on n'a pas le temps d'hésiter dans l'univers du monde Hunter. Quand on hésite, il est déjà trop tard par la suite. Fait que, tiens mon cher, j'apprécie. Aïe, tiens! Ben, on le fait ensemble. Aussitôt qu'il nous écrase, ça nous fait rêver. Oh! Ah, ben oui, évidemment. Tu t'en vas, je te parie 2000$ que tu t'en vas à deux. Parce que t'es un être cruel et sans pitié, mon cher. Pourquoi je cherche des os, j'en ai aucune idée. Malgré que c'est toujours plaisant d'avoir des os. Parce que si on n'arrête pas d'os... Oh, il s'en va à 7! Il s'en va à 7, en fin de compte. Je t'ai mal jugé, mon cher Tigrex. Je t'ai mal jugé. Ok, je pensais qu'il s'en irait après, il va... Qu'il s'en irait à 7, puis après ça, il s'en irait à 2. Mais non. Non, le gars, j'ai juste gaspillé ma trappe. Rien de grave. Ah non, il y a des baguilles ici. Je vous haïs. Vous allez me mettre des sacs sous les yeux. Ce qui veut dire nous endormir. Je pense... Ah non, c'est pas un Baryoth. Ça, j'ai pas besoin d'être prêt à contrer. Ok, j'ai contré quand même. J'ai pesé juste un petit peu sur mon rond. Mais il faut croire que j'ai pesé un petit peu plus que je pensais. Pourquoi mes boutons marchent plus? C'est quoi cette affaire-là? Ok, là, ça marche. Ok. Rapproche-toi et compte. Ok, c'est vrai, on peut pas contrer son cri, c'est bien. Ce serait bien que j'aille garde plus un, mais non, je suis trop lâche pour me faire des armures. Yay! Ok, on charge, mon cher, charge! Oh, ok, ça a marché très bien. Je me suis tourné avant de ranger mon arme, mais écoute, on va pas se plaindre. Malgré que c'est ça que je fais depuis toujours. Me plaindre de mon maudit analogue. I hate you.
C'est ça, tu peux même... J'ai pesé sur le R, t'étais supposé sauter en Superman, mais non, j'ai pesé trop tôt sur le X. What? What? Pourquoi ça? What? What? T'es bien bizarre, mon cher. Tu t'en vas déjà, bon, on va exiger notre arme, pourquoi pas. Tant qu'à y être. Tant qu'à faire des conneries, on va le faire bien comme faut, mon cher salaud! God! Je crie parce qu'il est rendu plus loin. Comme ça, il m'entend. Je savais dans le fond qu'il faisait son troll. Je voulais être sûr que la trappe s'est disparue. Elle était disparue avant, maudit stupide. Ok. Oh non, il s'en va attaquer des popos. Non, c'est ça que ça va faire. Ok, ok. Fais semblant de s'en aller à deux, puis après ça, ça va à trois, maudit salaud. Ça va faire la deuxième fois qu'il va manger. Si tu manges un petit peu trop, mon cher, tu vas engraisser. Mais c'est vrai que je t'empêche de manger, fait que peut-être que tu t'engraisseras pas tant que ça. Non, pas moi, tout sauf moi, je suis trop équipé. Et oui, je l'ai vu, la maudite shiny, ok? Je la prends pas parce que ça me fait perdre mes coups gratuits sinon. Et ça me fait perdre du temps, que je n'ai pas. Parce que ma maudite limite, tout simplement pour ça. Alors, retourne pas te mettre en mode rage, mon cher, s'il te plaît. Mon analogue est planté d'un bord. J'arrête pas de con... Ah, enfin, il l'est plus. En plus, je l'ai fait tomber avec un superbe coup d'affinité négative, ce qui n'est pas bien, mais qui est bien en même temps. Je sais pas comment que ça marche. Oui, j'arrête de faire mes coups vers le haut. C'est peut-être plus fort que les coups vers le bas. Sauf que je pong jamais, fait que ça marche pas mon affaire. Ça vaut pas la peine de faire si on les pong jamais. S'ils sont jamais comptés. Pourrais-tu être en mode rampe par terre, mon cher, et souffrage intense? C'est juste une proposition de même que je fais. Tu devrais être à veille de mourir. Proposition? Accepte? Accepte? Ah, ben tu t'en vas. Accepte? Tu vois... Non, il accepte pas. Il fait juste tourner sur place. Et moi, je lui donne un gros coup entre ses ailes qui puent. Qui puent! Tu pues, mon cher! Une chance qu'on peut pas sentir dans les jeux vidéo. J'en avais déjà parlé. Je pense que c'était avec Dobo Ruberuku. J'avais fait ça. La senteur d'arbre. Ah, bonne senteur d'arbre. Ça serait tout plaisant. Et pourquoi tu charges sur Luigi autant que ça? Il t'a rien fait de si mal que ça. Il a même... Il te prépare ta bouffe. Il nous a trahi pour toi, mon cher. Oh, oh, oh! Nice. Là, je peux lui faire mes coups vers le haut. En plus, on le voit pas si souvent que ça, l'affinité négative. Fait qu'il faut croire que je suis chanceux à part de ça. En disant ça, je me fais massacrer parce que je suis trop stupide pour contrer. Yeah! Yeah! En plus, qu'on a coupé ta queue, mon cher. On l'a-tu pris, sa queue? J'en ai même... Je m'en suis même pas rendu compte. Ah, non! Ah, je pense qu'il s'en va. Yes! Yes! Il est en train de souffrir! Yeah! T'as accepté ma proposition! J'apprécie quand t'acceptes mes propositions. Et... Oh! Oh! Il est en mode Raging Mode. Je devrais mettre une Paintball Mode. Paintball Mode! I like Paintball Mode! Vite! Charge comme t'as jamais foncé! Je sais pas pourquoi il y a un délai, ça fait schnapser. Oh oh oh, c'était nice ça. Ça fait schnapser. Ces maudits délais. Est-ce qu'il faut peser sur le R, puis après ça sur le triangle, plus le carré. Ça parle d'un... Des contrôles de schnapp. Je préfère les contrôles de... Contrôle classique 2 de Monster Hunter 3, mais c'est parce que je suis habitué de même. Grâce à Monster Hunter. Et j'ai joué à Monster Hunter, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, dans mon sens, faut-tu... C'est juste parce que c'était mon premier type de contrôle. On est toujours attaché à notre premier type de contrôle, n'est-ce pas? Trop attaché. Trop. I hate you! Merci Luigi de m'avoir foutu un coup en arrière de la tête. J'apprécie. Je savais que c'était un traître. Luigi est un traître. C'est un fucking traître. Il prépare la bouffe. Oh, oh, fuck. Et j'utilise pas assez mon dodge pour le... Je suis pas habitué d'avoir évasion increase pour ça. C'est pour ça que je l'utilise pas assez. Comme ça, faudrait que je fasse ça de même. Puis là, je me rapproche de lui. Puis là, il me frappe avec ça. Puis là, j'ai tout gaspillé ma stamina parce que je suis stupide. Fait qu'on va le remplir avec une ration. Parce que là, on va se faire massacrer par un... Oh, mais je l'ai utilisé. Fait que je m'en sacre complètement. Mais j'avais prédit que j'allais me faire massacrer. Oh, il est dead! Et on skip la minute. Vite. Oh, ok. Minute passée. Ce qui est bien, on prend les cochonneries de Tigarex. Et je sais pas pourquoi je suis pogné avec des musiques de Majora's Mask aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Mais je pensais à ça justement, la musique de quand que il reste quelques 5 minutes je pense. Je sais plus c'est quoi. Ce serait une bonne musique à mettre vu qu'on est en 2012 et c'est supposément la fin du monde. Oh my Jesus! Et non, je ne suis pas aucunement stressé pour ça. Regarde! Est-ce que c'est une bonne musique? Je me rappelle plus comment c'est.
En tout cas, je serais jamais capable de le faire. Pourquoi j'essaie de le faire, my god? En tout cas, j'ai juste dit ça, 2012. En décembre qu'on est supposé tout faire. Fait que tout le monde met cette musique-là. Ouh, parce qu'il reste 5 minutes à vivre. Puis là, tout le monde se rend compte qu'il se passe rien. Puis tout le monde fait, oh no! Puis c'est une fin de vidéo, merci d'avoir regardé, bye bye!